Salut YouTube, comment tu vas? Bah écoute, maintenant que tu me moi ça va super bien. Du coup, petite vidéo pour ceux qui peuvent pas passer sur les lives Twitch. J'essaie de penser à vous, de mettre des petites rediffusions Twitch, des combats que je trouve un peu plus intéressants. Et si vous aimez bien ce genre de contenu, si vous appréciez tout ça, n'hésitez pas à mettre des likes et vous abonner, etc. Je verrai l'engouement et du coup, j'en ferai plus. Bonne vidéo, ciao! Il met des trucs que je peux lui chaîner, s'il te plaît. Alors, compliqué, du coup. C'est pas trop ce que j'attendais de ça. Je pense qu'il faut qu'on fasse un truc un peu comme ça, non? Mais s'il me banne Tiana et que lui ne strip pas, c'est un peu la merde. Je pense pas mettre un triton ici, ce sera suffisant. J'aurai pas assez de dégâts avec un triton, je pense. Je vais faire ça comme ça. Que du coup on peut pas lui chaîne. Il banne Poséidon? En vrai je fais ça s'il banne Poséidon, non? Parce que là je vais le cleave avec Tiana là. Je vais le cleave avec Tiana là, j'ai presque envie de faire ça, mais je pense que c'est un peu risqué. Ouais c'est un peu risqué quand même. Je vais faire ça au cas où le gang est en Swift. Bien que j'y croie absolument pas. En vrai j'aurais pu quand même. Je pense qu'il n'y a aucun monde où il outspeed Tiana sans lead. Mais bon NP, la speed c'est pas mauvais non plus. J'ai du scaling speed. Non, Julie ça pue. J'ai déjà pas mal essayé Julie et j'ai vraiment pas eu des bons résultats. Évidemment, là déjà revenge. C'est ok, c'est ok. Faut juste pas qu'il stun VRD là, ou Tiana. Du coup elle aura pas de break death, c'est dommage. J'aurais pu limite la one shot. Mec, truc de fou. Et il me la restun derrière. Il me provoque ça, ok. Nice, j'aime bien le despair. Sur un revenge, hein. Sur un revenge on le rappelle. Sur un revenge on le rappelle. Je préfère le rappeler tout de même. Je pense qu'on la gagne quand même celle-là. En vrai, je peux taper ça. Ça meurt vite, ça. Putain, par contre, s'il me l'avait stun là. S'il me l'avait stun là, j'aurais pété un câble. Hein. Allez, mais rien là. Pushez pas bouger. Comme dirait l'autre. Petit revenge stun, mais les Junos, je te jure, je pète un câble. Hein. Les Junos, je vais vraiment péter un câble. Hein. Mec, arrête! Tu arrêtes de stun des monstres tous les tours! Tu arrêtes en fait. Revenge! Ouais, ok. Triple Glancing, ok, pas mal. Mais tu sais que je vais la perdre. Je vais finir par la perdre celle-là. Hein. Revenge? Mais casse-toi en fait, dégage, hors de ma vue. Ça va ou quoi là? Non mais elle a revenge combien de fois? Elle a stun combien de fois cette Juno? Là, on prend des trucs vachement vénères. Des trucs un peu comme ça, non? En vrai, je pourrais même Antares là. Notre joke Antares, il est fort ici. J'ai envie de faire un truc un peu comme ça là. Humaniman, comment tu vas? Je me sens bien dans la draft. Après, on connaît la RNG, hein. Parce que le Veramos, je peux le one shot en soi. Potentiellement. Merci pour le sub, Maniman. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour le soutien, c'est plaisir. J'espère que tu passes une bonne journée. En vrai, j'ai envie de la ban. Parce que je me sens assez bien contre ça. Donc on va garder ça et on va se dire qu'il a fait un bon pick pour s'entraîner. Et en fait, je suis. Oui, non, Wari, je t'ai dit. Hein. Je t'ai remercié. Hein. Ok.
J'ai eu un petit moment de doute. Il m'a laissé Antares? Ah ouais? Je pense vraiment que Antares peut carry là. Pour moi, c'est le genre de draft où il peut être bon sans spécialement une grosse RNG. À part si je me fais vraiment full disper quoi. Wow, le stun il est bien ici. Le stun il est vraiment cool. Hein. La première proc d'Antares, je défonce tout. Boum, boum, boum. Clivé. Ah bon, on a dit, c'est plus efficace qu'un Lucian. On l'a dit. Tant, c'est mon bébé. En même temps, c'est mon bébé, Antares. Il va mourir Chongpong, non? Bon, Verde. Ok. Il a un petit peu changé le gameplay, on dirait. J'ai envie de tenter un truc. Probablement un Verde Swift, du coup Egang n'est pas très fort contre. Mais je me dis qu'avec Lead 33, plus mon Egang qui du coup est en Swift, qui est genre au final à presque 210, je me dis ça peut peut-être le faire. Là, je suis 33 Triton aussi, je mets un contrôle en last sur une Charlotte. Ou un Antares. Alors, Antares, il est pas dégueu ici. No joke, il est pas dégueu, Antares ici. Et tu sais quoi? On va lui faire peur. On va lui faire peur. Tell me. En vrai, j'avoue que la draft, elle donne tellement envie d'Antares. Après, je pense que le Triton, j'aurais pu faire mieux, quoi, clairement. Quoi, c'est un bel Antares, ça? Oups. Sa genou, elle est trop bien ruinée. J'ai pas réussi à la gérer la dernière fois. Genre, elle est en vampire, elle est trop trop bien ruinée. C'est bel Antares, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Yotakun, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Des trucs cool à faire sur le jeu? Mais il y a des trucs qui arrivent, là, justement. Il y a les contenus de guild là qui vont arriver dans pas trop trop longtemps normalement, genre semaine prochaine limite. Genre il y a un nouveau boss de guild et tout. Là on va faire cut le mour, mais du coup il peut pas trop nous taper. Parce que sinon il proc les gangs. Lui il est en wheel, mais il est en wheel quoi? Oh il m'a désynchronisé. On va devoir faire ça. Hein. Ouais, il joue entre les deux. Incroyable. Mais vrai. Ah, il booste le mur ou pas? Je pense pas que ça soit si bon que ça de booste le mur ici. Tell me. À part si stun ça. Oh, il full damage, ok. Résistance. Ok. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Je vois un petit peu du coup. Comment il va faire? Il faut que je tue ça très vite, hein, j'ai pas le choix. Par contre, il a pris une grosse tatane là. Il n'y a pas grand chose qui se passe super bien. Il double crit hein, avec un glancing du coup. Ça met bien. Ah, il faut que je tue ça, j'ai pas le choix. Petit proc. Ok, nice. Ça c'est cool. On a gagné. En général, un proc Oliver, c'est trop dur à gérer. Parce que Oliver, c'est pas équilibré non plus. Enfin, non plus. En soi, je pense qu'il avait que des monstres équilibrés pour le coup, lui. Je pense que les monstres déséquilibrés, ils étaient plutôt de mon côté, si vous voyez ce que je veux dire. Et par contre, il m'a autre rune, un truc de fou, lui. Genre, il a vraiment des meilleures runes que moi. Heureusement. Heureusement que les monstres sont un peu moins équilibrés. Moi aussi, je suis chaud. Bientôt, moi. Bientôt, hein. Regarde, ça creuse ici. Pour l'instant, je suis Vegeta, là. J'ai le M Vegeta. Ça recule de ouf, arrête. T'as rien vu. T'as rien vu du tout. On peut dire que c'est des amis? Ça va. Il ira au bout. Non, c'est une énorme merde. En vrai, je pense vraiment qu'il peut créer la surprise contre Pinkroid. Tu réfléchis trop, ça chauffe. Mais en vrai de vrai, le fait d'avoir un casque comme ça toute la journée, je pense que ça aide pas.
Je vais pas vous mentir, je pense que ça aide pas. Alors il y a un détail aussi, un détail assez marrant, assez intéressant à noter tout de même, c'est qu'en fait, mes oncles sont tous chauves. Alors voilà, c'est un détail, tu vois, c'est la génétique et tout, c'est la science fausse et tout, on connaît, hein, mais... C'est mal barré. C'est mal barré. Mais c'est le casque, c'est le casque, c'est le casque, c'est le casque, bien sûr. On va dire que c'est le casque. C'est quoi pour fêter ça? Pour fêter la calvitie en Valuchenne. J'ai décidé. Les gènes qui te trahissent, Eric. Ça n'est pas. Ah non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et puis aussi, il y a tout ce qui est. Ce que je me suis renseigné. Hein. Tout ce qui est. Je sais plus comment on aspect. C'est quoi? C'est lauryl sulfate. Sodium lauryl sulfate, c'est ça? Dans les shampoings? Ça aide pas, ça non plus. J'ai trop envie de faire ça et juste de. Oh, il me banne pas Paluchen. C'est un des premiers qui banne pas Paluchen, mais tu sais quoi, je fais ça, hein? Tous les jours, non? Genre, je le speed, Mathiana et le speed, tout ça, non? Genre, y a quoi là-dedans qui peut être plus rapide? Impossible. Impossible, me direz-vous. Yostéo, comment tu vas? Une cavasse de depuis 19, 18 générations. Ah putain, ça aide pas, hein, clairement. Tant que tu n'as pas la tonsure des moines, en vrai, ça va. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça me va le stun sur Juno parce qu'au moins elle revenge pas. J'ai fait en sorte que ce soit ça qui meurt, comme ça elle se raise elle-même. Oh, il est pas mort lui, c'est chiant ça. Arrête, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Ok, calme-toi. Et là, est-ce qu'on tue Juno? Ah bah non, elle a buff speed, donc forcément elle a un debuff. T'as pas un debuff, un buff, pardon. Là, il tue Lucien et il s'est perdu, non? Ouais, je pense c'est perdu là. Ok, il tente pas de tuer Lucien, il se dit que lui tu vas. Ok. Ouais, là, je pense pas que je gagne. Ça va être trop dur de revenir contre une Juno. Ok, au moins tu pas le tuer, elle aura pas le skill 2. C'est déjà ça. Après, la Juno, elle a pas l'air de faire beaucoup de dégâts. Il y a un monde où je peux m'en sortir en vrai. Je pense. J'ai pas vu ses dégâts là, elle a fait combien? Je peux pas encore skill 2. Je vais devoir le faire après. Oh ouais, c'est largement faisable, ouais. Je suis assez d'accord. Vas-y, je fais ça pour l'instant. Ouais, non, c'est gagné. Elle fait du 2000 là, alors que ça fait un petit moment que la game se chauffe. Je vais faire skill 2 prochain. Je pense qu'elle tuait, mais pour être sûr. Dans tous les cas, si elle stunnait la NFT, j'avais le skill 3 ici. C'était ok. Voilà, Juno n'était pas assez forte. En vrai, une bonne Juno ici, ça aurait pu faire la diff. Je pense que Miles, il a pas assez de punch ici, non? J'ai envie de tenter un truc un peu comme ça. Je sais pas si c'est une bonne idée. Oh, il y a un monde où lui, il m'a... En vrai, est-ce qu'on tenterait pas? En vrai, les gars. Plus sérieusement, ça marche, non? Ça marche de ouf. On fait ça ou pas? Ou on fait ça quand même? Je pense qu'il me banne les gangs, non? Il y a un monde où il me banne les gangs, je préfère quand même faire ça. Ok. Tu préfères un Tessarion en violent Will ou en violent Revenge? Ça dépend de tes compos. Genre, si tu prends souvent le premier tour, je pense que Revenge, ça peut être pas mal pour le long terme derrière. Et si t'encaisses le premier tour, alors le Will est sympa. Par contre, si t'as genre un Wusa ultra rapide ou une Shizuka ou je sais pas quoi, une Ryli super rapide, qui va te mettre l'immunité très vite, bah à ce moment-là, plus besoin non plus, tu vois. Faut essayer vraiment de faire par rapport à ta compo, quoi. C'est une bonne résistance. Je l'ai pas soulevé, mais c'était une bonne résistance. Est-ce que je me mets 5 stacks ou est-ce que je commence à strip? Non, je vais faire ça en vrai.
Et ça, je vais faire maintenant, ouais. C'est pas très grave si elle le fait, elle, derrière, parce que ce sera un seul tour. Ouais, autant est sur la Shizuka comme ça, là, pour l'instant. Je vole l'Imu. Résistance. Justement, je me suis dit, je vais là-dessus, parce que c'est celle qui aura probablement le moins de résistance. Je me suis trompé. Je m'ai trompé. En vrai, le chilling est carry, là, non? Ça, c'est chiant comme proc. Et c'est chiant comme crit, surtout. Il est en triple revenge, hein, by the way. Il est en triple revenge. Il a beaucoup de précision. Il a tout raté. Ça met bien. Ça met très très bien tout ça. C'est pas de chance. On va faire ça là-dessus. Mon maximum d'HP. Moi, je pense que je vais faire ça comme ça. Hein. Disons que ça tue, ouais. Le Ching, il gère, non? En vrai. Voilà, enfin un revenge. Merci. Allez, donne-moi les petits buffs. Autant faire des dégâts comme ça. Dans tous les cas, on aura probablement plus trop autant de buffs. Autant reset ça, parce qu'elle, on s'en fout. C'est raté, mais c'est pas grave. Par contre, elle est tanky, hein, quand même. Pour me tanker aussi longtemps en forme humaine, c'est pas mal. Hein. Maintenant que tu le dis, je le vois quand il était stun. Oh, j'aurais clairement parti. J'ai pu partir sur du Lucien, là, je pense. Dommage. Je l'ai pas vu. Partir sur Verdi Swift ici. Je prends un stripper là. S'il faut compter, je prends Triton. Si j'ai pas besoin de compter, je peux prendre Tiana qui counter aussi. Nyx, j'aime pas trop beaucoup ça. C'est chiant pour moi, Nyx. Je pense que je fais quand même ça, non? Et je ban Nyx. Et je focus ça. Je sais pas si j'ai des dégâts en fait. Je suis pas sûr d'avoir des dégâts. J'ai envie de tester. Ouais, vas-y, c'est quoi, je tente comme ça. Peut-être qu'il aurait fallu que... Non, je pouvais pas jouer Goon, là. Parce que si il me ban Verde, j'ai perdu. Enfin, 50% perdu avec Valentis. Mais Kiki, ça fait peur. Sachant qu'il y a une Junou et tout à gérer à côté, un Valentis qui va revenge. Ça peut être compliqué, en vrai. Ça peut être vraiment compliqué. Belou, j'en peux plus de son clean soto. C'est chiant, hein. C'est très chiant, je suis d'accord. C'est le focus, en vrai. Ah, de la focus du coup. Est-ce que je fais ça là? En vrai, j'ai pas besoin de pas le faire, tu vois. C'est chiant, mais bon. De toute façon, il fallait bien que je finisse par le faire. Si je faisais que les skills en tous les cas, ça aurait pas fait grand chose. Et là, j'aurai le skill 2 de la Charlotte. Et j'espère que ça va carry. Ouh, pas mal du tout. Pas mal du tout. Faut juste pas que ça proc maintenant. Faut juste pas que ça proc out et on est trop, trop, trop bien. Ça, c'est normal. Stun pas Charlotte. Ok. D'accord. Bah écoute. Sleep. Ok, sleep. Dommage. Au moins on pourra tuer ça. Hein. Double glancing. Mais bien. Charlotte solo winning in high low, exactement. Mais là, ça va être un peu plus chiant. Après, est-ce que j'ai récupéré le skill 3? Je sais même pas, j'ai pas calculé. Il y a un monde où j'ai récupéré le skill 3 de Tiana. Ah oh, putain, un tour. Fuck. Ah bah autant donner un stack ici, hein, tant pis. Ça fait chier, mais bon. Dans tous les cas, on va la full taper. Hein. Mec, il a stun ma Tiana, JPP. Un truc de fou.
J'allais cleanse avec. On stun Juno, évidemment. Hein. C'était la plus importante à stun. Ok. Charlotte, je crois en toi. Charlotte, je crois en toi. Ne me déçois pas. On va devoir cleanse ici, malheureusement. Donc là, si on s'était fait stun, c'était pas très grave. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est pas fait stun. J'ai la théorie. Ah, j'ai trop peur de taper Valantis. Je peux pas. Hein. Je peux pas taper la Juno non plus. Là, il faut stun Valantis. On a slow Valantis pour faire un petit peu moins de dégâts avec Tiana. Comme ça, il survit. Il revenge deux fois de suite. Ok. Ça passe bien. Ok, ça, c'est cool par contre. Allez. Je me permets, hein. Je me permets de faire genre je suis AFK. Ça s'appelle du rope. Mais il m'a un peu cassé les couilles. Il m'a un petit peu cassé les couilles. Sauf s'ils l'ont changé, mais un debuff Glen sur un mob qui tape. Non, mais ça je sais, hein. Mais il a quand même tapé énormément de fois sur un Xiangpeng aussi. Et à côté, il était plus glancing quand il a commencé à refaire du glancing. Si tu veux, on peut compter le nombre de vrais glancing qu'il a fait à côté, c'était quand même assez incroyable. Je vais quand même lui mettre une menace de speed, peut-être qu'il aura un peu peur. Peut-être qu'il n'est pas ultra confiant dans sa speed quand même. Donc ça, je pense pas qu'il me laisse le combo lead 24 Triton. Parce que moi, je peux aussi lui ban son lead 33 Yuan-Hong. Je pense qu'il me le laisse avec un Verde Revenge. Il me banne juste ça, ok. Je prends la défense pour l'instant. Mon Triton, il a plus 216. 332. J'ai pas l'impression que la Shizuka soit speedtune. Mais vraiment stun ça là. Et au moins il a pas eu la TB, c'est déjà ça. Hein. Là s'il fait ça en soi, il stun juste ma Macha. Et derrière ma Charlotte peut carry limite. Non, pour l'instant je peux faire ça. Hein. On a gagné là, je pense. On a gagné là, je pense. Je vais quand même faire ça parce que j'ai pas envie qu'il me stun sur les skill 1 et tout. Ok, on l'a pas du tout eu. NP. Il a encore silence. Iwar il stream pas. Quand même peut-être le forcer à mettre full load speed. Me dis pas qu'il mode speed avec ça. Jamais il mode speed avec ça, je banne ça et on a gagné, non? S'il mode speed avec tout ça, il a des sacrées runes. Hein. Il a des sacrées runes, parce qu'on a vu le Gemini, il doit jouer en premier là pour qu'il puisse gagner. S'il arrive à mode speed avec ça, mec, bien joué à lui. Après, je pense qu'il banne juste Neftis, non? Ok. Après le Shir il est un peu garbage quoi, mais bon. Et il a les 33. En vrai il peut mode speed en vrai. Il peut clairement mode speed. Ça c'est parce que j'ai des runes de merde. Parce que normalement même si 24 contre 33 ça devrait pas être un pro. Ok non ça va. Ok on n'est pas trop mal du coup. Là on est bien même.
suicide. Au sujet d'eux. Ouais, mais après, il y a des mecs qui sont... Vraiment, hein. Et c'est pas une critique pour ceux qui le sont, mais il y a vraiment des mecs qui sont à plus 175, 160, presque 180, et qui sont conquérant 2, conquérant 3. Hein. On n'a pas bien strip, hein, par contre, putain. Oh merde, c'est pas cool ça. Hein ? Quoi ? Non mais ça par contre, j'ai jamais vu ça. Hein. Non mais... Je sais pas si vous vous rendez compte de la RNG pour que ça se produise. Ah, il est peut-être en disper, ouais, j'avoue. Bah, il m'a bien eu, hein. Il m'a bien eu.